Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture ici. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir trois petites figurines que j'ai achetées au Renard Doré. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une boutique à Paris. Je sais pas s'il y en a ailleurs en France. En gros, c'est une librairie manga, mais qui propose aussi quelques goodies comme des petites figurines, etc. Notamment des Nendoroid. C'est vraiment une ambiance hyper particulière. C'est hyper chaleureux, hyper mignon. Il y a vraiment un soin apporté sur la décoration. En ce moment, avec l'automne, c'est hyper automnal. Plein de feuilles partout, de trucs en bois. Il y a aussi quelques produits Ghibli. Et vraiment, il y a une ambiance tellement particulière. Le personnel est adorable. Enfin, franchement, c'est une librairie à faire si jamais vous vous rendez sur Paris. Enfin bref, du coup, j'ai craqué sur... C'était tellement chou. C'est des petits bébés de la forêt. Ils sont beaucoup trop cookies. Peut-être que je mettrai une photo parce que là, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. J'adore les trois premiers. Je les trouve trop mignons. J'aime bien la petite Little Tree, là, le petit sapin de Noël sur la troisième rangée. Oh, mais il est mignon, le petit cerf aussi. Je crois que peu importe laquelle j'aurai, je serai contente parce qu'elles sont toutes trop mignonnes. Je vous propose d'ouvrir et... Bon, je vais pas m'amuser à deviner les figurines aujourd'hui parce que c'est pas des licences connues. Donc il n'y a pas d'intérêt, je n'y arriverai pas. Alors, petite boîte. Un petit jeton. Ah, la carte spoil. Bon bah je me suis spoilée, je crois, celle que j'ai. Bon, tant pis, je regarderai pas pour les prochaines. Du coup, je vous le dis pas, ce sera une surprise. Ah, il y a la petite rose qui est là. Ah ouais, ça donne un indice, ça aussi, c'est pareil. Oui, il est trop mignon. Mon, oh, c'est le petit cerf, regardez. J'adore, je craque. Et il a des petites nanelles dans le dos. Voilà, voilà, voilà. J'adore. Je pense que c'est pour le mettre dessus, ça. Je sais pas à quoi d'autre ça peut servir en même temps. La petite fleur, elle s'enfile dans la main. Et voilà. Trop trop mims. Hop. Voilà. Et du coup, il y avait la petite carte qui est juste là, vous voyez. C'est pour ça que je me suis spoilée sans faire exprès. Du coup, j'ai une de celles que je voulais. Je suis contente. Je pense que celle que je veux le plus, c'était quand même celle-là avec les trois premières. Les trois premières sont vraiment trop chou. La petite licorne aussi. Je me regarde. Ouh, j'ai vu ça. J'ai pas vu la carte. Allez, c'est vous qui la voyez la première. Vous me dites si elle est bien ou pas. Ah, ah, ça doit être celle qui a le chapeau long parce que je sens... Ben, un long chapeau. Logique, merci. J'espère que vous la voyez de face. Alors, elle est comment? Allez, elle est comment? Allez, 1, 2, 3. Oh! Elle est trop, j'adore. Donc, c'est laquelle? Ah non, c'était pas celle qui a le chapeau long, c'est Poco. Poco Ferry. On dirait un personnage du Ghibli. Hop. Voilà, voilà. Petite fleur. C'est pas une fleur, ça doit être un bonbon. Et la petite carte. Tudou! Du coup, je ne l'ai pas dit, mais je les ai payées 11,50€, je crois. Chacune. Hein. Il y en avait d'autres qui étaient très très belles, avec des crânes et des lapins. Mais j'aimais pas trop les lapins, du coup, je les ai pas prises. Mais peut-être que la prochaine fois, je pense que je craquerai là-dessus. On va juste prendre ça. J'essaye de pas voir la fleur, parce qu'elle m'a l'air assez grosse. Hop. Et donc, suspense. Alors, dites-moi... Oups là! J'espère que j'aurai pas de doute, mais normalement, il y a peu de chance. Hein. Alors, elle est comment? Il y a plein de détails. Ce serait pas la petite sapin? Allez, 1, 2, 3. Oh, oh! Ça me fait craquer à chaque fois. Elles sont trop. Regardez. On dirait une petite, un petit bourgeon de rose. Et du coup, c'est laquelle? Ah bah, c'est la fée des fleurs, justement. Ah, c'est une des trois que je voulais. C'est une des trois premières. Trop mignonne! Et là, vous m'avez perdu, mon cerveau, il a fondu comme une guimauve. Oh la vache! Pas facile à mettre celui-là! Voilà! Normal Miss! Voilà! Et c'est déjà tout! Du coup, je compte sur vous pour me dire laquelle vous préférez. Moi, je pense que j'ai un faible pour le petit cerf. Du coup, vous avez petit cerf, chapeau rouge et petite fleur. Dites-moi votre petit chouchou et je répète du coup que c'est des Pucky Forest Fairies. J'ai trouvé ça au Renard Doré. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut en trouver d'autres. C'est justement pour ça que j'y suis allée. Et voilà, c'est trop trop mignon. Bref, j'arrête les bêtises et je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, bah ma foi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Thank you.